Radio Transmondiale a présenté à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une série études bibliques que Dr. G. Vernon Magui t'a préparé pour aider à comprendre plus bien la vérité qui gagne dans la Bible qui c'est parole mon Dieu. Présentateur, Pasteur Storly Michel. Bonjour et bienvenue dans le programme de notre journée. Na étudié Somme 36, Somme 37 avec Somme 38. À nos proches, côté Seigneur, dans la prière. C'est vous, Papa, qui seul mette et Seigneur la vie nous. Dans bon comme dans mauvais temps, nous pas gain l'autre côté pour n'aller. C'est vous, Seigneur, qui réfugie nous. C'est vous qui trouve roche côté nous caché. C'est vous qui défense nous. C'est vous qui protection nous. C'est vous-même tout, Seigneur, cap guider et enseigner nous. Donc, n'a pas invité au papa prendre contrôle pour programme jodien et mener nous exactement côté au table nous rivière. C'est dans nom Seigneur Jésus, parole éternelle qui t'est tourné monde, qui nous prie. Amen. Une étude biblique à travers la Bible. Na étudié aujourd'hui en Somme 36 pour arriver dans Somme 38. On commence avec Somme 36. Somme 36. Alors, nous pas prêts à entrer dans trop de détails sur ça, parce que ici là, depuis le commencement Somme là même, yo présenté nous un tableau sous méchant yo. Et c'est là, au capable d'observer yon tableau sous qu'il y a maintenant. Nous toutes, nous gagnons qu'un méchant. Peut-être, au capable de quoi ça, mais, nous toutes, nous gagnons qu'un méchant. Bon, n'a pas les plus sur le sujet qu'est ça, dans le prochain programme, si vous voulez. Pour qu'on y a, on commence avec les tino, dans Somme 36, non. Nous lis dans Somme 36, verset 1er, péché à parler dans le fond qu'un méchant, les mettez dans tête, les pas gain raison pour gain créatif, bon Dieu. C'est un coup si David a dit, méchanceté parler avec méchant dans Fokel. Attends, c'est qui ça qui méchanceté méchant? Un ben ami, c'est pas l'autre bagaille. C'est vie nati ou même avec nous gain, nati adamic là, nati péché à l'archer qui dans nous tout là. Seigneur Jésus te parlé sur ça qui sorti dans quel homme. Dans l'Ancien Testament, prophète Jérémie te dit, pas gain rien qui ka trompe moun, passe ça qui nan quel autre moun. Pas gain remède pour ça. Et ça, zanmi, les vrais pour tout moun. Mais, heureusement, bon Dieu gain remède pour dimpi ses problèmes kap trakasen. Yon fois encore, David déclaré dans le premier verset Somme 36 là, péché a parlé dans le fond qu'est méchant, les mettait dans tête li, pas gain raison. Pour gain créatif, bon Dieu.
Traduction 70 là, qui c'est version grecque là, changer sa yon terrasse. Alors, nous pas trop certains sur ça, mais nous croyons probablement les plus proches avec version originale là, parce que propre traduction noire. Dans version 70 là, yon dit, méchant te gagnon l'idée transgression dans quel. Qui l'idée transgression ça qui te dans quel là? Eh ben, j'en te dis en avant, ça c'est ancienne nati, ou même avec nous gagnons, hein, nati adamique là. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 19, Seigneur Jésus lui-même t'a déclaré, c'est dans quel monde toute mauvaise l'idée sorti, l'idée touye monde, l'idée fait adulte à toute l'autre bagaille qui pas d'accord avec volonté bon Dieu, tant que l'idée volait, l'idée fait mentir sous monde, l'idée bail mentir. Ça cap sorti dans quel homme dans zami, c'est bagaille qui bail en pile répiance, oui. L'homme pas gain limite dans méchanceté lui, parce que tant que David dit ça ici là, li mette dans tête li, pas gain raison pour gain créatif bon Dieu. Ici là, nous gain yon révélation sou méchant, parce que ou capable remarquer c'est nan kè a bagay sa yo soti. Méchant te gen l'idée transgression nan kèl. Mkwè ansyen nan ti pechre sa nou gen yon, se repons lan pou se la yo kap revendike pou di non bezwen kite konsyans nou gide nou an. A la fin zami, se pa konsyans ou, men se l'esprit ser ki gido. Konsyans ou kapab se yon temomet, le kapab se yon baromètre ki indike kek bagay apre ou fin fè yon aksyon pou fè ou santi si ou te dwe fèl ou non, men se l'esprit bon Diye a finalman ki gido. Ki fè nou gen ansyen nati sa nan nou e kè a menm a pompe mouvè lide met deyo san rete. Kon sa, les om mette nan tèt yo pa gen rezon pou gen kretiv bon Diye. Kou li a nou li nan Somme 36 verset D, li kwe li pi bon pase za li a, kon sa li pa vle rekonèt peche li yo. Théologien Matthew Henry nan commentaire biblique li te ekri a, te fè yon déclaration très intéressant sou sa ken sou di la. Li ekri, peche yo ap ditwi prop tèt yo. Y ap ditwi tèt yo le ap fè louange pou tèt yo. Satan pa ta ka trompe yo si yo pa ta trompe tèt yo, mais est-ce que trompe a vala pou tout an? C'est la citation finie. Et nous pense, yon nan bagay moun pèdi yo va gen pou viv ak li pendant toute l'éternité, c'est ancien nati yo a. Y a gen pou yo rayil, et intérieurement, nou kwè se sa ki va tounen prop l'anfè yo. Kou li a, nou li nan Somme 36 verset 3, toute parole dans bouche li, c'est mauvaise parole. C'est menti à c'est la baille. Les fin pedinet, les pas ka faire rien qui bien encore. Bouche moun sa yo sale parce que ça me pas connaît. Et même bonjour yo pas la vérité. Gagne un moun apparemment très distingué dans un club sportif et nom ça a te gagne une grande position sociale. Li te riche et il te déjà prend retraite li. Mais seul ça qui t'a sorti dans bouche là la parler c'était mauvaise parole. Temps en temps ou qu'attendre elle qu'a prendre nom bon Dieu en vain. Yon moun comme ça, li évident qu'il pas même connaît comment pour dire ça qui bien. Et puis l'en ajoute verset 3 avec verset 4 là, nous lit toute parole dans bouche li c'est mauvaise parole, c'est mentir à c'est la baille. Les fin perdit tête li, li pas qu'a faire rien qui bien encore. Li couché sous cabane li, la fait mauvais plan, li sous yon mauvais pente, li d'accord à tout ça qui mal. Ça l'a fait en réalité, c'est planifier dans cabane li mauvais bagaille li pral faire dans jou k'ap vini. Ala yon tableau nou gen ici là. Tableau ça tellement descriptif et réel que m'ta ka di l ba moun ki sauté. Et puis kou li a soti nan verset 5 pour arriver nan verset 7, nou jwenn yon tableau sou bon Dieu, sou sa bon Dieu ye. Tade bien sa David ap di. Seigneur, ou remen nou an pil an pil. Ou toujou kenbe parol ou. Justice ou kanpe fèm tankou gwo moun ou yo. Jijman ou yo, se bagay moun pa ka fin konprann. Seigneur, se ou menm ki pran soin moun ansanm ak tout bèt yo. Bon Dieu,
à la bon sa bon remè ou gen pou nou an. C'est en bazelo les hommes joignent protection. Sa yo se parole merveille, parole bénie. Ato, c'est bon Dieu ça, bon Dieu ça que les hommes a rejeté, ah oui. C'est bon Dieu ça l'homme pa gen crainte pour li a. Méchant yo pa konnen bon Dieu ça, ni yo pa konnen sa yo rele joignent protection en bazelé. Ça c'est côté mon cap marché droit yo caché a. Personnellement, m'remen parler sous zèle Seigneur. Et nous te fait ça l'en tap étudier chapitre 19 dans les Exode là. Ou songez, bon Dieu te dit Israël, nous wè sa mwen te fait mon pays l'Égypte. Nous wè ki jan mwen te pote nou tant kou mal fini pote petit li yo sous doli. Mwen fè nou vin joine mwen. Nous-mêmes nous capable joine repos ak sécurité en bazèl li yo. Et tout nous ka joine chale remen li a. Ou ka songe, sa Seigneur Jésus te dit lave Jérusalem. Depuis longtemps, mwen te vle semble moun yo, ta ko yon maman poule semble ti petit li yo en bazèl li, mais ou pat vle. Et puis, c'est bon bagay sa, c'est bon Dieu sa, les hommes ap rejeté et méprisé comme ça. Décidément, nous ka di, les hommes pa kon gwo bouch yo. En tout cas, kou li a, sa mes sa fait conclusion somme 36 là. Nan verset 11 ak verset 12 yo. Li di, pa kite arrogan yo mete pye soukoum. Pa kite méchant yo fèm kouri. Gade jan moun ka fè mal yo tombe non. Yo rete a te a, yo pa ka kampe sou pye yo ankon. David ap la priye pou bon Diye kontinye jete mizerikòd li avèk gras li sou li, pou l pa tombe an ba méchant. Nou kwe, sa se yon rekèt chak kretyen ta dwe ajoute nan lis la priye. Ou même avèm jodi a, na viv nan yon moun malveyan, yon moun trè méchan. Donc nou ta dwe la priye tanko David pou di, ah bon Diye, pa kite m tombe an ba men méchan yo. Alors, c'est tout ça nou te vle considérer nan somme 36 lan, kou li a nan passe nan prochain somme lan, ki se somme 37. Somme 37. Comme au carré maqué, somme 37 la tout, c'est yon somme David. Yo konnen comme yon somme acrostiche. Ça veut dire, yon somme, ou bien nou ta ka di yon poème, qui basé sou alphabet langue hébrea. Chaque verset ou bien chaque section nan somme sa a, commencé avec yon lettre nan alphabet hébrea. Ou capable remaqué, somme sa a gen 40 versets comme ça. Donc, yo chaque utilisé yon lettre nan alphabet hébrea, commencer nan alef, passer pran bet, gimel, dalet et la trier. Et si vous prêtez attention sur ça, ou après, c'est nan même façon ça, nous enseigner timonio jounen jodi an tout. M'songe, lèm te piti, m'te ganti liv kote m'te capable apprendre tout lettre alphabet yo. Par exemple, l'ite gen lettre A pour avion, lettre B pour bécane, lettre D pou drapeau et la trier. Et puis chaque mot sa yo te gon ti dessin ki mache ak li. C'est nan façon sa a comme ti moun nou te commencé à apprendre ABCD et c'est comme ça somme 37 et tout somme acrostiche yo présenté tout. Et ajouté sou style littéraire somme 37 la tout, c'est yon somme qui te servi comme yon grand bénédiction pou pèp bon Diye à travers sek yo malgré bien souvent yo kon mal appliqué. Des premiers versets yo dans somme 37 là conseille nous pas faire coller les ouais méchants yo pas envier ça mon qui a fait mal yo t'aller comme ça y arracher yo tant qu'ou rager yo gain pour yo fenin tant qu'ou zeb gazon semblait bagay ça a été obsédé David en pile et nous va joindre yo mentionner le devant tout dans somme 73 là qui c'est en somme Azaf. En passant nous doit dire ça, c'est un problème embarrassant que David te doit confronter. Et raison qui fait rejoindre l'hérissite là, et spécialement dans ce testament, hein, c'est parce que bon Dieu te promet croyant yo prospérité matérielle, laisse ça. Li pas promet non ça comme chrétien, je dis, hein, mais li te fait ça pour Israël. Espoir chrétien pas sous la terre, mais espoir Israël, hein, c'était sous la terre, ça. Par conséquent, les noms qui t'a vivre les ça dans Juda vidéo
te gade aux alentours et te wè méchant yo a bien mené pendant que nom ki t'ap marché droit lan t'ap passé en bayon série difficulté, li te désorienté, li pat ka comprendre ça t'ap passé. David t'ap observé ça et il t'est arrivé dans même conclusion avec Asaf. Alors, nous pas gen tan li Somme 73 lan kolia, mais ou capable li pou ko pita si ou ta remen kompare yo. Asaf te di, li te wè sa ki t'ap pase a, méchant yo t'ap pral disparèt. Et David, bopal, di mèm bagay lan isit lan. Li di, se mèm sa ki pase zèb gazon ki va pase méchant yo. Yon lè, gen yon moun ki t'ap pose kesyon mande, pou ki sa bon Dieu pèmèt moun tankou Hitler te fè sa l te fè an. Hitler te preske triyonfe nan Deuxième Guerre mondiale lan. Pou ki sa bon Dieu te mèm bay moun kon sa la vi? Alors, interrogation sa yo logique, mais cependant, jodi a, m'pense nou ta ka chanje question sa yo pou mande pito kote moun sa yo ki te pense se yo ki te met ter. Yo para anko, yo disparèt. Bon Dieu, zami, va régler tout bagay nan lè li. La règle yo. Sa ou bezwen konsidere a, se fè malveyan yo. Et si tan kou David, bagay sa ta va kontinye ba ou problèm, eh ben, verset 3 kou li a di ou koman pou rezoud li. Somme 37, verset 3. Mete konfians ou nan Seigneur a, fè sa ki bien. Pran peyi a, fè kayou, viva kè pose. Ça c'est yon promesse que bon Dieu te fait spécialement pour peuple Israël, peuple terrestre là. Bon Dieu dit yo, nous pas besoin bay tête nos problèmes pour méchants. Mettez confiance nous dans Seigneur et puis la prend soin nous. Verset 4. Si c'est dans Seigneur ou prend tout plaisir là-bas ou tout ça ou ta remen. Et ça c'était pour yo, mais les pour nous dans ta présence. Alors, m'pa konnen s'il va ba ou kèk bagay matériel. Ni m'pa konnen non plis s'il va béni ti business lan. Men mwen ka di yo, li deja béni yo avèk bénédiction spirituel yo, et bénédiction sa yo va tombe sou takou la pli, tellement an pil ke ou pa mèm kapab konte yo. Ki sa n'ge pou n'fè pou sa? David di, si se nan Seigneur a, ou pran tout plezir. C'est tout ça au besoin faire. Et puis dans verset 5 là, nous joignent quelques bagages en plus. Remettre corps ou dans mes Seigneur, mettez confiance ou dans lui, la aider. Gen en pile croyant jodi an k'ap critiqué et k'ap chercher joindre faute dans bon Dieu. Yo pa vle remettre chemin yo dans mes Seigneur. Ici là, il dit mettez confiance ou dans lui, la aider. Bay bon Dieu yon ti tan. Li va réaliser bagay yo nan la vi yo. Bon Dieu bon. Ou konnen moun ki pèdi yo pense bon Dieu terrible, men ou ka observe idole ap servi yo. Se bagay effrayant, bagay pou fè ti moun kriye. Bon Dieu li menm, li bon. Li pa janm tounen kontou. Li se zanmi yo. Li remen yo, el vle sove yo. Men pou sa, ou dwe tout d'abord remèt chemen ou yo nan mer. Kou liye a, nou li nan premier pati verset 7 la, toujou nan Somme 37, rete doucement devan Seigneur a, pran san. Tout sa ou gen pou fè, se repose ou nan Seigneur. Pran san. A la merveye, la ou gen yon moun de confiance ou kapab repose sou li kon sa. E pi res verset 7 lan di, tan li fè sa al gen pou fè a, pa fè ko lè, lè ou gen moun gen zafè yo ap mache bien. Lè ouè moun réalise tout mauvais lide yo gen nan tèt yo. Zami, pa ki te zafè méchan kap mache bien pou yon titan ba ou problème dade? Pa fè kolè. Ensuite nou li nan premier pati verset 8 lan, pa fâché, pa fè mauvais san, ou pa bezwen énervé. Pa ki te sik monte yo, pa fâché, pa fè mauvais san, ou pa bezwen énervé. Ki vle di, pa pèdi patience. Ou met tan bon Dieu. Et puis l'ajouter dans reste verset 8 là, ça capable faire ou faire ça qui mal. Pas penser au carité comme ça. Si ou c'est petite li, ça veut dire yon petit bon Dieu, ou a créer un pile problème pour tête ou si ou a péché échapper en bas ça au mériter.
Somme 37, verset 9. Moun ki mette confiance yo nan Seigneur va pran peyi a pou yo. Men yap disparèt méchan yo. Et effectivement, ça va arriver textuellement vrai. Ensuite, nous lis dans première partie verset 11 là, Somme 37 verset 11a. Mais moun ki soumet devant bon Dieu, yo pral resevo a peyi a. C'est ça bon Dieu a dit a. Bon Dieu pral mette peuple a sous terre sa a yon jour. Nous songe gen yon prédicateur yon lè qui te dit bon Dieu va tellement sauver moun, pap gen assez côté pour yo sous planète sa a qui fait l'oblige gen ciel là pour mettre ça qui en pression. Nous croyons c'est ça David a dit ici tantôt. Mais nous devons préciser David pas employé terme moun en plus là et ni ciel là pas paré pour recevoir ça qui en pression. Mais plutôt li paré pour l'église Jésus-Christ. Sous la terre, c'est moun terrestre qui va habiter là. Koulie a nou li dans Somme 37 verset 14. Méchant yo rale koulin yo, y a paré banza yo pour yo touye pov yo ak malere yo pour ansansine moun kap mache doit yo. Alors, parole bon Dieu a dit nou bien clair, si yon moun wete ne pe lan jen li, eh ben, li va péri nan même façon sa tou. David dit nou koulie a dans verset 16 lan, pito ou pa gen an pil bien, mais ou mache doit, passe pour gen an pil richesse nan fè sa ki mal. Le yon moun gen possibilité voyager et visiter foyer croyant yo, ou kapab antre ni nan foyer riche ni nan foyer pov yo. Et nan expérience pa nou, sou moun ki a pa pou bon Dieu yo, nou joen croyant ki pi ere yo, se si la yo ki pa gen an pil bien matériel nan moun sa. Bon Dieu zami gen kontrol sou bagay sa yo. Kouli a gen kek bagay nou kapab observer. Somme 37 verset 20 dit méchant yo a péri qui fait m'passe ou dwe rale kòw et puis permettre bon Dieu prend responsabilité sou ça. Li pral agi nan ça et c'est lui même k'ap régler kozè a. Premier partie verset 23 dit Seigneur prend les hommes, li mette yo nan bon chemin. Ça veut dire c'est Seigneur bon Dieu yo a qui va établir yo sou yon fondement takou yon roche. Et wash ça, c'est Jésus-Christ. Deuxième partie, verset 23 dit, li content ouè yo mache droite. Est-ce que Seigneur a éprouvé chemin ou non, jodi a? Li te capable longe douette sous Job. Et ta kounte ka ouè ça, l'en ta petit dié livre ça, Job pas parfait dans aucune façon. Mais, Seigneur a éprouvé. Alors, est-ce qu'il a éprouvé ou nan moment ça? Nous li koulien, dans verset 29 là, moun ki mache droit ge pou pran peyi an pou yo. Y ap rete nan peyi a tout an, tout an. Bon Dieu, zami, ap akompli promes li te fè Abraham avec petit Israël yo. Li te promet yo bénédiction terrestre. Li pat fè ni mouen ni ou promes a. Nou mèm, nou béni nan tout qualité bénédiction spirituelle, mais yo pat fè nou aucune promesse bien matérielle. Évidemment, gen kèk croyant ki béni avec bagay matériel. Mais non ta ka di sa son dégi. Son bagay en prêt sou recevoir, c'est yon bénédiction ajoutée. Et si bon Dieu t'a béni en la façon ça, ça veut dire ou gen yon responsabilité extraordinaire. On ka di en passant, ça fait non la peine pour kèk chrétien ki riche parce que décidément nou ka di yo pap utilize l'argent yo a dans façon que yo ta doit utiliser pour mon Dieu. Koulie a dans Somme 37 verset 37, David écrit gade moun kap mache droit la bien gade. Gade tout vi retounel. Moun ki viv bien ak tout moun ap gen petit ak petit petit. Nta ka di rale crayon ou make. Sa aussi certain que loi physique et rele loi gravité. Bon Dieu pral prend département ça sou compte li. Et puis comme ça n'a mette yon bout nan étude nou nan Somme 37 lan pour nous capable passer koulye a nan Somme 38. Somme 38. Yore le Somme 38 la yon somme pénitentiel. Ici lan nou joine David ki nan yon trahi bien profond. L'ap dépa fini sou pied.
nous pas gain aucune information sur maladie qu'elle te gain, mais avant ça, nous te wè qu'elle te remercie bon Dieu pour guérison te balia. Nous li nan premier verset somme 38 lan, Seigneur, papi nim lè ou fâché, pa kalem lè ou en colère. Et ensuite, nan verset 4 lan, péché mi yo fè pil, yo couvri tèt mwen. Yap krasem ta kou yon chay ki twa lo pou mwen. Ni ou ni mwen zami, nou pa kapab pote chay problèm nou yo pou kont nou, ale ouè pou chay péché a. Li ajoute kou liè nan verset 5 pou rive nan verset 7, ma leng mwen yo senti, yap koule paske mwen te viv ta kou moun fou. Mwen kagou, rem kase net, tout la jounen map mache tèt bese, glo nanje. Mwen gen yon la fièb chaud sou mwen, mwen senti mwen malade nan tout kòm. Gen yon dokte yon lè ki t'aple som sa, e ki te di gen anpil moun ki kwè David te gen yon maladi venerien. Men li menm personèlman li pat kwè sa. Li te mande paste l'eglise kote l te mache a ki sal te pase sou sa. Paste a te repon li menm non plis li pa kwè David te soufri yon maladi parey. E padan li venan pren sa, na profite precize, non pa kwè Seigneur Jezi non plis te gen tout maladi imen yo. Gen moun ki panse, paske Seigneur te pote tout peche nou yo sou li, sa vle di kel te soufri tout maladi nou yo tou. Men an realite, se pat kon sa. Seigneur Jezi te toujou 100% sain. Lèl te fèt, li te kompletman sain. Bien bonè nan la vil, bon diye papa te di, sa se pitit mwen remè an pil lan, li fè kem kota an pil. Pi devan, preske nan dernier jou teres li yo, li te mette foul la an defi pou mande ki les nan nou menm ki ka akizem avèk peche. Yo di nou li te sain, li te inosan, san tache e kompletman separe avèk peche yo. E lèl te rive sou la kwa, nan 3 premier tan yo, li te ankor sain. Lè sa a, l'om te fè sa ki te pi mal. Yo te kapab fè a. Men nan 3 dernye tan yo sou la kwa, bon Diye te fè sa ki te pi bon an, paske Kris te pran peche tout moun nan sole. Alò, fòk nou fè an pil atansyon isit lan. Se te peche moun nan, se pat maladi fizik lòm yo. E lèl di yo te pote maladi nou yo, la pale sou maladi peche a. E peche zanmi sou maladi terib. Mais cependant, li te pran peche nou yo pou nou menm nou te ka gen la vie. Apôtre Pierre déclaré nan 1 Pierre chapitre 2 verset 24, Christ la te pote peche nou yo nan kòl sou bwa pou nou te ka mouri an egad peche pou nou te ka viv dwat devan bon Dieu. Li te kite yo maltretèl pou te ka geri nou. Geri nou an ba ki sa? An ba yon maladi fizik kelkonk? Mais non. Mais non, guérison ça, c'est en bas maladie péché. L'été pote péché n'yo, mais le pat nécessaire pour te gagner comme malade, parce que maladie a, c'est résultat péché. Mais cependant, Seigneur Jésus pas déjà mou connaît péché. Li, c'est sacrifice parfait que yo te offri sou quoi pour pardon péché l'humanité. N'a pas obligé de camper là pour journée hein, avec programme non parce que t'en ont déjà fini. Dans prochain programme, si bon Dieu voulait, nous va étudier Somme 39 pour arriver dans Somme 41. Pour couler, hein, n'a quitté avec bénédiction grand maître là. Merci en pile parce que t'es là à nous pour journée hein, pour écouter une autre émission à travers la Bible. Pour capable écouter ou bien joindre l'autre ressource étudio 24/24. Nan site internet nou ki se ttb.twr.org/creole ou bien ekri nou pa email nan adres creole@twr.org. Creole ekri creole creole@twr.org. A travers la Bible, c'est en production Story Michel pour Radio Transmondiale.